Yo les rageux, c'est Skippy Craft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 25 de notre Let's Play sur Subnautica. Alors, on avance quand même assez vite dans notre Let's Play, c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait énormément de hors-caméra. Donc déjà, j'ai refait plein d'armoires, comme vous pouvez le voir, et je les ai triées. Donc ici, voilà les minerais pas très rares, on va dire. Ici, les minerais assez rares. Et ici, merci pour le bug. Les minerais outre, que je ne peux pas classer. Ici, voilà, j'ai mis des outils qui traînaient. Là, ici aussi, c'est un peu bordel. Là, ici, j'ai mis les huiles de sang. Mais ce n'est pas tout, les amis. J'ai fait beaucoup d'hors-caméra, comme je vous l'ai dit. Donc, déjà, je vais vous montrer. Voici la base de l'extérieur, les amis. Regardez là. Elle est grande, hein. Et alors là, j'ai dû rajouter deux panneaux solaires. Pour ça, que regardez l'énergie 225 sur 725. Et regardez, les amis. J'ai fait un couloir, ici. Bon, là, c'est rien. Et là, regardez. J'y ai mis le bioréacteur. Oui. Et je suis allé faire des bacs de plantation. À 24%, ils sont déjà. Et ça va me servir à alimenter ceci. Ah, bah voilà, il est déjà prêt. Regardez, hop. Je vais là, ici. En plus de donner de la nourriture. Donc ici, je vais avoir une source de courant. Parce que toutes les plantes vont être transformées en courant. Regardez, en haut, ça monte. Et... ça me fait une source de bouffe aussi, limitée, les amis. Donc voilà, petite salle zen, avec une petite chaise fonctionnelle. Voilà, salle détente, posément. On est bien. Hop. Alors, pendant que ça se remplit ici, on va remonter. Alors, l'autre chose que j'ai faite... Enfin, c'est pas vraiment que j'ai fait. Regardez, les œufs, ils ont éclos, les amis. Et du coup, on a tous les mobs les plus dangereux de la map en un petit aquarium. Et je pense que si je rentre dedans, je ne meurs pas. Regardez. Ils sont gentils. Et je peux les ramasser, ils sont tout petits. Vous voyez? Donc là, maintenant, c'est facile à scanner, du coup. Voilà, regardez le serpent crabe, je l'avais pas scanné, par exemple. Ah, hey! On va le scanner plus facilement, comme ça. Hein. Voilà! Les amis, superbe petit aquarium à monstres, tout gentil en plus, mais comme si ça s'arrêtait là. Bon, j'ai remis une écoutille pour pouvoir sortir plus rapidement. Comme si ça s'arrêtait à ça, les amis. Dans l'épisode précédent, on avait mis la machine de filtrage de l'eau, et je vous ai attendu parce que regardez, en plus d'avoir deux bouteilles de Magnum d'eau filtrée, donc qui me donne 50 d'eau, donc je vais être tranquille. Bon, déjà ceux-là, moi je suis passé à l'eau désinfectée à la Javel. J'ai en plus du sel. Hop, regardez, hop, du coup, je les prends. Et je risque plus jamais de mourir de soif. Hop, ça va reprendre, par contre, ça consomme énormément. Mais comme j'ai un bioréacteur, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est top. Et enfin, la dernière pièce est ma préférée. Je vous mets la hype. 3DA. Bienvenue dans ma chambre. Avec un lit fonctionnel. La machine à café fonctionnelle, bien sûr. Petite armoire, j'ai remis un jouet ici. Petite chaise fonctionnelle pour travailler, ploup ploup ploup. Vous voyez. Un petit distributeur à boissons, bon, malheureusement fonctionnel, oui. Ah, j'ai eu des chips. Ah, ça déshydrate, mais ça hydrate, ça donne un peu à manger. Regardez, le café, il est prêt. Hop. Vous voyez, c'est génial. Alors, une poubelle pour vider des trucs, donc ça, c'est pas si mal que ça. Et voilà, et là, on va dormir. On va se réveiller, ça va être le jour. Et voilà. Ah. Voilà, donc la nouvelle base, les amis. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Donc c'est vraiment la Skippy House maintenant. C'est vraiment une vraie base, une vraie maison. Donc voilà, ça m'a quand même pris deux grosses heures hors caméra le temps de tout farmer. C'était beaucoup de titane, de quartz et d'autres petits minerais. Et maintenant, pour les amis, pour le reste de la vidéo, maintenant qu'on a de l'eau... le sel, je vais aller le ranger ici. Plouk plouk. Je vais aller prendre de la nourriture, par contre. J'allais me mettre à fond. Viens ici, petit pipard. Oh, la galère. Merci. Petit boomerang. C'est le suivant. On va manger. Plouk. Hop. Et les amis, j'ai envie de partir pour une petite expédition avec vous. Oui. Sous les conseils d'un abonné, bien évidemment. On va devoir y aller avec le prawn, par contre.
On va aller à bord du Cyclops. Et voilà les amis. On monte à bord. Et là les amis, on va aller dans un endroit qui m'a été beaucoup demandé par mes abonnés. Nemo, j'ai dit. Voilà. Bien, merci. On va aller... Alors, la direction, il faudrait juste que je cherche après l'Aurora. Il est là-bas. Je vous fais faire une petite surprise. Voilà, j'allume le moteur. On va à la vitesse moyenne pour pas cramer le moteur. On a déjà eu de mauvaises expériences. On va regarder après l'Aurora. Voilà. Et on va partir par là, les amis. Ceux qui connaissent le jeu comprennent peut-être où je veux aller. Ou sinon, petite ellipse et on se retrouve lorsque j'y suis. A tout de suite, les amis. Oh les amis, il y a un problème. Je voulais en vrai me rendre dans le biome pompon, on était déjà allé plusieurs fois. Et regardez ce qu'il y a en fond. Je me suis paumée, je me suis égarée de mon chemin, alors je me suis fait victimiser. Il y a eu un moment où j'ai vu que j'avais un bug micro. Je vous l'affiche tout de suite. Je me suis retrouvée trop loin, donc je suis allée dans la zone morte. Je me suis fait attaquer par le gosse Léviathan, et là, regardez qui nous attaque. Le Léviathan. Le Reaper, le Léviathan faucheur de l'Aurora. Et je suis dans la merde. Mon Cyclope, j'ai dû le réparer, en fait, il y avait des fuites, des dégâts. Il faut réparer comme on répare à Simos. Et le truc, c'est que je devais être obligée de sortir. Donc je pense que je dois quitter, recharger la sauvegarde en vrai, mais... Il est derrière le Léviathan. Vitesse maximale. Intégrité de la coque faible. Mais il va... Oh fuck. Il est inondé. Faut que je m'équipe de mon... Incendie. Je vois rien du tout. C'est quoi ce bordel? Je vais perdre mon Cyclops si ça continue. Putain, le Léviathan, il est pas loin en plus. Les amis, je suis en plein stress. Ok. Attends. Je stresse trop. Oh fuck. C'est la nuit, je vois rien du tout et je ne suis qu'à 100 mètres de profondeur. Et ce qui est chiant, c'est que tu le sens arriver. Il y a le radar du Cyclops. Je crois que j'ai tout réparé. Je vois rien, les amis. Oh fuck, l'incendie. Vite. Vite! Il est où? Il est où le feu? Il est ici! J'ai réussi? J'arrive pas à y croire. Ok, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, j'ai pas encore réussi. Il faut que je ressorte, réparer cette fuite-là. Mon dieu. Elle est où? Oh, je vois rien. Je la vois même pas. Elle est là.
crois que c'est bon. Les amis, je pense qu'on a réparé. Ok. Maintenant, on se casse avant qu'ils reviennent. Il dit, il y a le radar. Et il y a une attention quand il y a une créature hostile. Et en fait, je suis... Ok. Moi, je remonte. Je vais le plus proche possible de la surface. On va faire un repli stratégique, les amis. Je pense pas que je vais y aller avec mon Cyclops. Je pense que je vais y aller en Simos. Les amis, on va aller... On va aller à la maison, très clairement. C'est horrible. Ah ouais, je suis vraiment partie là où je voulais pas aller. Hein. C'est fou. Je suis où, là? Je suis devant l'Aurora. Donc, les amis, petite ellipse. J'espère ne pas me faire attaquer en voulant rentrer à la maison. A tout de suite. Oh, les amis, j'ai été trop vite. J'ai encore un incendie. Oh, c'est top, putain, c'est quand même ouf, les musiques dans ce jeu. C'est fou, quand tu vas trop vite, tu crames le moteur. Mon Cyclops, il a pris bien cher, les amis. Dieu, qu'il a failli se casser à cause du Léviathan. Non, c'est plus possible. C'est plus possible, les amis. C'est trop pour moi. Ok, les amis, je suis rentré à la base après... Après ma violence, le gosse Léviathan, puis le Léviathan faucheur après, je peux te dire que d'affilée, voilà, mon Cyclops, je pense que si je me prenais encore un ou deux coups de Léviathan, il explosait. Ouais, il peut exploser, le Cyclops n'est pas invincible, et bah, ça m'aurait fait vraiment chier, parce que c'était quand même assez coûteux. Hein. Du coup, les amis, on va retourner, en fait, je voulais aller au biome la rivière perdue. Et j'aurais bien voulu y aller en fait avec mon Prawn, qui peut aller jusqu'à 900 mètres. 700 mètres, enfin je sais plus. Maintenant il est pas équipé de torpilles, donc c'est peut-être pas réglo d'y aller. Donc je pense, les amis, on va quand même faire une ellipse. Je suis plus safe en Simos et je vais plus rapidement quand même. Donc on se retrouve quand je suis à la limite de la rivière perdue. A tout de suite, les amis. Ok, les amis, j'ai pu trouver l'endroit. Qu'est-ce qui se passe, toi? Ça devient déjà hostile dès que j'arrive. J'ai trouvé l'endroit, donc c'est ici qu'il fallait que je descende. En fait, j'étais allé trop loin par là-bas. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans la zone morte. Et on se cache pas que ça, c'est assez problématique. Le gosse Léviathan. Et donc, on m'a dit qu'il fallait que j'aille à la rivière perdue parce que là-bas, il y a le minerai de nickel. Et le minerai de nickel me servira à faire les modules de profondeur MK2 pour Cyclops. Pour que je puisse aller beaucoup plus profond, parce qu'on sait qu'on doit aller à 1200 mètres. Parce qu'en fait, regardez, les amis, j'avais vu un PDA. C'était ça? Ou ça? Ah, c'était ça! Emplacement d'installation alien, regardez. Laboratoire de recherche sur les maladies, à 800 mètres. Caverne contenant de nombreux fossiles au sud-ouest de la plateforme armée. Et on m'a dit que c'était dans la rivière, là, le biome, la rivière perdue. Là, on sait bien qu'on avait vu, on avait croisé un gentil gosse Léviathan. Voilà, on est dans le biome. On fait gaffe aux petites créatures, là. Ok, c'est un biome extrêmement dangereux. Je n'ai qu'un bête petit Simos. Ah, voilà, reste fossilisé. Oh, regardez! Un fossile de Léviathan! Est-ce que je peux le scanner, lui? Ok, pas de gosse Léviathan en vue. C'est surtout ça qu'on va surveiller. Pour le reste... What? Merde! Panique pas, skip. 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 Ah! J'ai eu peur. Bon. What? Ok, il fait chaud. Il fait trop chaud pour moi. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas sortir. Ah ouais, il fait 40... 50 degrés quasiment ici. Je vais éviter de me perdre, par contre, ce serait bien. Est-ce que je pourrais trouver ce fameux minerai de nickel? Oh, regardez! Oh, ce biome est magnifique.
Ce biome, c'est mon préféré. Je vous le dis. Ça, c'est quoi ? Ah, on a de l'eau bizarre ici. On dirait du gaz même. Oh. Ok. Ça doit être à mon avis dans ces trucs là que je peux le trouver. Oh la musique! Oh la musique les amis! Oh! Il y a même des bruits de monstres dans la musique qui me font stresser ma race. Minerai d'argent. Ça doit pas être ça. J'ai vu qu'il y avait un rubis là-bas. On n'a jamais trop de rubis en vrai. Regardez! Il y a des bruits de monstres! Oh les amis, la bande sonore du jeu, elle est juste magnifique. Ok, je suis à 700 mètres déjà. On ne coudrait plus très loin de l'entrée si elle est à 800 mètres. Ok, méchant, là on va l'éviter. Mais ça ressemble à quoi déjà le minerai de nickel? Les amis, c'est trop beau ce biome. D'accord. On est vraiment assez loin là. Ça redescend. Ça y est, on est à 800 mètres. On n'a jamais été si bas les amis dans le jeu. C'est quoi ce... C'est le gosse Léviathan là-bas les amis. J'en suis sûr et certain. Il vient vers moi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Apparemment, c'est considéré cette zone rivière perdue comme une zone morte. Mais il est là où je dois aller, le con. Je peux pas aller plus loin, les amis. Et je pense que vu que c'est un fantôme, j'ai envie de dire techniquement, il est immortel. Je pourrais pas lui donner un couteau. Oh mon dieu, les amis. Ok. Ok. Allez hop. Du plomb. C'est pas ça. De l'or. C'est pas ça non plus. Ça c'est quoi? De l'herbe fantôme? Je veux un échantillon. Ok. Ok. On a un méchant derrière nous. Bien vif que j'installe les torpilles. Je reviendrai avec les torpilles. On verra bien si je pourrais tuer ce méchant Léviathan. D'accord. Oh. Ouais, on dirait que je peux aller en dessous. Et attendez les amis, ce serait pas ça par hasard que je cherche? Oh, salut. Si je sors, je meurs ou quoi? Si je meurs ici les amis... Ok. Oh putain! Ok, donc c'est bel et bien du gaz qui fait des dégâts. Donc, mon abonné Elder Monster avait raison. Il va me falloir le prawn parce que je peux récolter des ressources en étant à l'intérieur. Ok, mais le truc c'est que pour venir ici avec le Cyclops... Ça me chauffe pas trop vu qu'elle gosse Léviathan. Peut-être qu'il est parti maintenant. Ah non, elle est toujours là. Ok, si je descends. C'est ça les amis, le lithium, non? Le nickel. J'ai peut-être le temps de le prendre et de revenir. J'étais rentré à l'intérieur de mon Simos. Comment ça se fait que je meurs?
Les amis, c'est une catastrophe. Avait perdu quelques objets en plus. Et c'est même pas... C'est du soufre cristallin. C'est même pas du nickel. Mais j'ai perdu quoi? Ah, j'ai perdu mes bouteilles d'eau. Et j'ai perdu, bah, évidemment, mon Nautilus. Putain. Ah oui, 100 mètres, c'est impossible d'y aller en plongeant, déjà. Donc, les amis, il n'y a plus qu'une seule solution. Techniquement, on sait où il est, maintenant. Il n'y a plus qu'à y retourner avec le Cyclops et le Prone. Et ça, les amis, ce sera pour le prochain épisode. J'en peux plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle base, ainsi de cette expédition ultra périlleuse. C'est le cas de le dire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Skippycraft, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.